conscient que mon destin dans le creux de ta main. Amen. Salut toi. Aujourd'hui, c'est la dernière playlist. Non mais tu te rends compte? La dernière playlist, en tout cas pour le moment. Et je trouve que c'est passé super vite. Like, what? Enfin bref, une toute bonne chose a une fin, comme on dirait. Et voilà quoi, c'est la fin. J'espère que cette playlist va te faire encore du bien. Là, je vois qu'on nous a rallongé de 2 semaines de confinement. Super, merci. Mais on est toujours là. Et voilà, dans tous les cas, les 4 playlists, c'est fini. Et après, on va passer à des vidéos normales, d'encouragement, etc. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. C'est parti. Alors comme d'habitude, il y aura beaucoup de chants en anglais. Je suis encore vraiment désolée, je vais essayer de traduire le plus que possible. Ce chant là, ça m'a vraiment fait du bien. Et la chanteuse, elle est passée par beaucoup de choses pour finalement se rapprocher à nouveau de Dieu. Et c'est juste merveilleux. On va écouter ça, ok? Vraiment gospel. Attention. Ah, les chorales américaines, hein. Ça envoie tout le temps. Ce chant là, je me souviens que c'est quand j'étais en République tchèque, je me sentais super seule, mais voilà, il m'a trop fait du bien en fait. You got this. Seigneur, je sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Et c'était super beau en fait. En fait, quand ça va pas, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois laisser le plus de place à Dieu pour qu'il puisse être au contrôle. Ces dernières semaines, j'étais souvent répété hein, que Dieu doit être au contrôle. Et là, ce chant-là, il dit de faire plus de place à Dieu, en fait. Là où il y avait la place pour les réseaux sociaux, tu laisses la place, plus de temps pour Dieu. Voilà. Ça peut être difficile, mais bon, je parle trop. Jésus, tu es mon numéro 1. I will make room for you. My schedule, you can move out. You can move out. Mes habitudes, tu peux les retirer. Mon attitude, tu peux le retirer. Quoi qu'il en soit, retire-le en fait. Que la première place soit à toi en fait. You can move along. What I lack, you are full of. Where I'm broken, you are whole. Enfin, un chant en français. Je l'ai écouté en boucle une fois qu'il est sorti et ça m'a vraiment fait du bien. C'est parti.
Je viens vers toi. Dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Hey, c'est beau, c'est trop beau. Beautiful man. Ok, donc ce chant là dure 22 minutes. C'est la partie live. J'aime beaucoup les parties live parce que je trouve que c'est plus instantané en fait. Non, spontané. Je vous laisse écouter. Ça parle du sang de Jésus en fait. Ce gars-là, listen. La voix, non. Dante Bowie. God bless you, bro. Il y a des voix où il y a l'onction dedans et l'autorité. Et cette voix-là, ah, listen. Cette partie-là, c'est fou. En fait, il faut aller regarder. Je vais mettre aussi le lien en barre d'infos. Le mec, il part. Le Dante Ugo, il part. Et Naomi Wayne est censée faire un autre chant. Mais quand le Saint-Esprit te dit de continuer, bro, you have to! Donc il est revenu sur scène et ils ont fait une partie, une deuxième partie et c'était juste. Waouh! Listen! Il était censé partir! Ce chant là, I like it. Nathaniel Bassé, God bless you too, bro. Ah là là, la trompette. This song is good. You are God, and we worship. You are God. La trompette en plus, père. J'ai rien à dire sur ce chant. Juste profitons. Un jour j'atteindrai ces notes.
un jour j'atteindrai ces notes. Je me souviens, la première fois qu'on avait écouté ce chant-là, j'étais avec Elodie. Et du coup, on pensait que c'était la fin du chant. Du coup, on s'est dit, waouh, c'est vraiment bien ce qu'elles ont fait et tout. Waouh. Et... attendez. Juste là, là, là. Oh my god. C'est là que j'ai redécouvert Kira Sherrod aussi. Que Dieu bénisse cette fille. I like this song. C'est vraiment un désir du cœur en fait. Yes, I do. Remplis ma vie jusqu'à ce que quand les gens me voient, qu'ils voient Dieu en fait. À chaque fois qu'on le chante, tu sens la puissance dans les paroles. C'est ouf. Parce qu'en fait, tu autorises le Saint-Esprit en fait à agir, à souffler en toi et c'est magnifique. Souffle sur moi, que ta puissance m'embrasse. Souffle sur moi, que ta puissance m'embrasse. Leurs deux voix s'accordent super bien, ouais. Que les anges du ciel saturent l'atmosphère. Saint-Esprit, je compte sur toi. Ma vie est en toi. Mon espérance est en toi. Amen. Et si les personnes veulent le dire avec moi, est-ce qu'un jeune garçon veut le dire avec moi? Est-ce qu'une jeune fille veut le dire avec moi? Ce genre de chant là, c'est pour monter aussi. Désir, donc on va monter. Dans l'assemblée des saints, en soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin, ouh, dans le creux de ta main. Amen. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais-le des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place. Cette langue là, c'est le parler en langue pour ceux qui ne savent pas. Le parler en langue, c'est ben, la langue en fait du peut-être paraître un peu folle, mais c'est la langue en fait que l'on parle avec Dieu en fait. C'est la langue du royaume des cieux et seul Dieu peut comprendre. Voilà, ça s'appelle le parler en langue. Ok. Cette chanteuse, ça fait longtemps que je la connais, mais dernièrement elle a sorti un album et c'est le son qui m'a percuté vraiment. Elle a que 23 ans, comme quoi Dieu peut utiliser n'importe qui à n'importe quel âge. Period! En gros, j'ai évagéré. Quand il chante ce chant,
c'est celui qui pour, en fait c'est le dieu qui pourvoit ou qui a déjà pourvu. Et voilà, tu crois que même si que dans la situation tu es, c'est difficile, mais le Seigneur va intervenir. Don't worry. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de ne pas vous écouter. Donc là, si vous avez pas compris, les gars, c'est chaud. Puissance à la voix. À la voix, plus à cet esprit dans la voix, it's perfect. Ce chant là aussi, dans tes temps de prière, tu peux le mettre. Ne serait-ce que l'instrumental, c'est fait pour monter seulement. Yahweh, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Ça c'est une ancienne chanson, mais qui à chaque fois que je l'entends, ça... Et mon âme t'adore. Maman Dena. Et mon âme te loue. Car il n'est comme toi. Il m'a lavé. Il m'a racheté. Amen. Et placé à ses côtés. Car la clé de la mort, écoute ça, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, la bonne transition. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa, papa, papa. Wow. On regarde. Chanson, et ce chant là est sorti en 2020 et le titre est juste merveilleux. Ça veut dire que Dieu fait de nouvelles choses, et c'est en début 2020 que ce chanteur là a sorti ça, et je me suis dit mais c'est prophétique parce que Dieu fait de nouvelles choses malgré ce qui se passe. Ooh, oh, I'm doing something new. Even now I'm doing something new. Même maintenant je fais quelque chose de nouveau. Crois-le. It's the new things. Receive the new things. Yeah. Et c'est un bon, une bonne fin là, je trouve. C'est la, c'est, même si on est à la fin de l'année, il fait encore de nouvelles choses. Des nouveaux rêves, des nouvelles restaurations, une nouvelle option. Je suis juste en train de traduire ce qu'il dit. All over. Don't miss the wave. Ne rate pas la vague. Ne rate pas Dieu. Garde tes yeux sur lui. Garde ton focus sur Dieu parce qu'il fait quelque chose de nouveau pour toi. Eyes haven't seen. Les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas encore entendu. Aïe 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 aïe. Ears
seven heard. I seven see. Donne-lui gloire pour les choses que tu n'as pas encore vues. Donne-lui gloire sur les choses qui n'ont pas encore été dites. Donne-lui gloire pour tout. Ces nouvelles choses t'appartiennent. Je crois qu'on ne peut pas mieux terminer cette série de playlists avec ce chant. Parce que je crois que malgré tout ce qui se passe, Dieu fait de nouvelles choses, il n'arrête pas d'agir. Il y a beaucoup de témoignages que j'entends qui, malgré le confinement, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a... En fait, et j'étais en train de réfléchir sur ça ce matin, Dieu, il n'est pas limité au mur, en fait. Il n'est pas limité au mur, les gars. Il peut... C'est lui qui est au contrôle de tout. Donc, les murs, là, que tu vois... Les portes s'ouvrent quand même parce que Dieu est avec toi et il fait de nouvelles choses dans ta vie. Je ne vais pas commencer à parler plus. Je veux juste te remercier en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Et j'espère vraiment que ces playlists t'ont fait du bien. Bien évidemment, c'était pour, tu vois, en mode pour le confinement, passer du temps. Mais si, voilà, si t'as envie de les re-regarder, n'hésite pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais je pense que pour la suite, pour refaire encore des playlists, je vais faire plutôt de plusieurs types de chants. Et puis peut-être sélectionner quoi. 20 chants maximum et de plusieurs styles de musique. Et voilà, je vais vous balancer la playlist d'un coup comme ça. Peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 2 mois. Mais voilà, ça va se faire. C'est une très bonne idée, c'est cool. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème, un nouveau encouragement. Et voilà, j'ai juste hâte. N'hésitez pas encore une fois à partager. Vous abonner, commenter, j'ai perdu ma chanson, tu vois, et de t'abonner, hey, de t'abonner.